de l'apprentissage à distance, on va faire une séance de communication avec la maîtresse de la moyenne section. Alors, vous savez les enfants que l'eau potable est l'eau que l'on peut boire sans risque pour la santé. Un adulte a besoin d'environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Alors, tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour vivre. Alors maintenant, je vais vous raconter une petite histoire de deux petites gouttes d'eau. Deux petites gouttes d'eau ont tombé du ciel. Partent à la recherche de leur copine. Du ruisseau jusqu'à la mer. Impossible de la retrouver. Elle a bel et bien disparu. À la fin du voyage, les deux gouttes s'évaporent. Cette histoire raconte le cycle de l'eau. Voilà le cycle de l'eau. Quand il fait chaud, l'eau de la mer devient vapeur, monte dans le ciel, devient des nuages, devient des gouttes d'eau qui tombent, c'est la pluie. L'eau revient une autre fois dans la mer. Merci les enfants, merci pour les